Bonjour les poussins, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un nouveau portrait avec Alicia. Alors moi, je suis Alicia, je suis étudiante en alternance. Ah, j'ai 22 ans. Depuis février 2017, à cause d'une certaine personne, j'ai découvert grâce au drama Gobelin, grâce à Tchéniol de EXO, voulant en savoir plus sur les personnes qui chantaient. Je suis tombée sur EXO et je me suis souvenue qu'au lycée, j'avais connu Mama 2 et j'avais adoré et j'ai fait mais pourquoi j'ai arrêté en fait? Il y a EXO, BTS, VIP, Big Bang, Monsta X, GOT7, Seventeen. Ah, Card, j'aime bien Card. Non, j'en achète pas du tout, mais c'est intéressant, enfin ça m'intéresserait peut-être d'en avoir un ou deux pour voir, mais c'est cher. Oui, celui de BIP, c'est excellent. J'aime beaucoup l'énergie qu'il renvoie dans les clips au niveau de la danse, donc ça m'a fait encore plus aimer la danse en fait. Et aussi, à la base, j'aime pas le rap. En fait, à force d'écouter de la K-pop, il y a souvent, très souvent du rap inclus dedans, bah, je commence à en apprécier et du coup, ça m'ouvre aussi sur le monde entier du coup. Alors, pour mes collègues, ils ont dit que j'étais un monstre. Je vois pas pourquoi. Mes parents, ça va, ils sont assez ouverts d'esprit. Bon, après, ils font pas trop la différence entre japonais, coréen, chinois. Bon, pour eux, c'est chinois, quoi. La K-pop, en fait, n'est pas très bien perçue. C'est dommage parce que pourtant, il y a plein d'univers différents. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Bacon. C'est dur, ça. Bon, Sean. Cookie. 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 Merci beaucoup Alicia d'avoir participé à ce portrait et d'avoir été soumise à la torture par Sabrina. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos et à cliquer sur la petite cloche. On se retrouve tous les mercredis à 18h pour une nouvelle vidéo et d'ici là sur les réseaux sociaux. Annyeong. Bonjour les poussins. Ouais, il m'a manqué des gens. Tu devais toucher un soumis.